Comment surmonter les difficultés de la vie et vous en sortir, même lorsque vous avez l'impression que tous les vents sont contre vous? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 7 concepts stratégiques, idées stratégiques à pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Merci d'être là. J'y partage régulièrement des enseignements stratégiques et pas mal de conseils. Je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il suffit de cliquer sur le bouton en bas de cette vidéo, le bouton « J'aime ». Et puis, tout simplement, de ensuite cliquer sur la cloche qui est juste après pour pouvoir ensuite recevoir les prochains partages que j'ai déjà tournés ce matin et que je vais prévu de vous publier dans les prochains jours. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous sentez que vous êtes dans des situations que vous trouvez compliquées, difficiles à surmonter et vous vous demandez comment faire pour réellement passer au-delà, c'est peut-être une situation qui est financièrement compliquée parce que peut-être que les finances ne sont pas là, peut-être dans des situations de dette, des situations compliquées, peut-être au niveau du business. Vos affaires ne fonctionnent pas comme vous le voulez, vous faites des actions, vous entreprenez différentes choses et rien ne se passe comme vous le voulez. Peut-être que c'est au niveau émotionnel, avec la communication que vous avez avec les autres, dans votre communication, il se passe des choses bizarres, vous sentez que les émotions vous bouffent. Et une simple discussion qui aurait pu tout simplement être posée, relaxe, paisible, agréable, vous bouffe de l'intérieur. C'est peut-être au niveau relationnel. Votre famille, votre couple, vos amis, les gens autour de vous. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une situation que vous trouvez réellement compliquée. Et vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir et trouver une solution à cette situation. Si vous vivez et vous ressentez ça en ce moment, je voudrais vraiment vous partager dans cette vidéo une stratégie, des stratégies à utiliser avec le pouvoir de votre cerveau pour vous aider à vous sortir de ces situations parce que, comme on dit, on ne le souhaite ni à son meilleur ami ni même à son pire ennemi d'être torturé de l'intérieur avec ses émotions qui bouffent. On a perçu une mode d'emploi, clairement, pour réussir à gérer ce genre de situation. Mais ce n'est pas à l'école qu'on apprend aussi à faire ce genre de choses. Et pourtant, au quotidien, tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes amené à faire, vous êtes en interaction avec les autres et avec vous-même. Et si vous ne savez pas comment ça fonctionne, comment gérer les situations dans lesquelles vous êtes pour vous en sortir à tous égards et finalement être en paix, parce qu'on recherche la paix, être en paix à l'intérieur de vous-même, quelle que soit la situation, eh bien, vous courez droit à la catastrophe. Pas la catastrophe réelle, parce que la vraie catastrophe réelle n'existe pas vraiment, mais vous allez droit dans le mur et je veux vous l'éviter. Suivez cette vidéo attentivement jusqu'au bout parce que les conseils que je vais partager avec vous seront très pertinents. Alors on va s'asseoir posément. Je vous invite aussi à vous asseoir si vous êtes au calme. On va faire ensemble quelques exercices pour que vous puissiez les utiliser pratiquement si vous vivez ces situations en ce moment. Voilà, nous voici un peu plus confortablement installés et nous allons poursuivre. Il y a deux erreurs qu'on commet souvent lorsqu'on veut surmonter les difficultés de la vie. La première des erreurs, c'est de vouloir réagir dans l'état mauvais ou négatif, dans l'état trop émotionnel, trop impulsif, bref, on peut trouver toutes les émotions qui sont autour. Pendant qu'on est dans cet état, on veut trouver cette solution et prendre des décisions à ce moment-là précis. Ce n'est pas une bonne chose à faire parce que lorsqu'on est dans cet état, on n'est pas dans son état posé, dans son état réfléchi. On est animé par cette émotion, cette envie de survivre ou de fuir, peu importe. On agit avec la partie la plus vieille de notre cerveau, qui est ici la partie reptilienne, qui servait à l'époque, à nos ancêtres, à survivre. Lorsqu'il y avait un instant de mort, danger de mort, il devait absolument s'en sortir parce qu'il pouvait se faire bouffer par les lions. Aujourd'hui, on risque peu souvent de se faire bouffer par des lions, mais on reste exactement, on fonctionne exactement de la même façon. Cette partie du cerveau-là va agir de la même façon. Et vous allez agir, réagir comme si c'était vraiment une question de vie ou de mort en prenant certaines décisions, certaines actions qui ne sont pas celles que vous auriez prises si vous étiez un peu plus posé. Donc déjà, cette erreur, pour l'éviter, il faut pouvoir ramener à la réflexion. Simplement quelques respirations,
se poser, se détendre et avoir un regard extérieur sur la situation pour réaliser que oui, il se passe quelque chose qui est déplaisant à l'intérieur de moi-même, parce que mon subconscient, son objectif, c'est de m'empêcher d'être dans ce qui est mauvais, d'être dans l'inconfort, dans le danger. Il le sent, donc il y a un sentiment désagréable. Mais lorsque je le remarque, je m'apaise, je relativise déjà. Ça permet tout doucement de pouvoir recentrer les choses, d'être posé. Parce que là, je dis pas qu'il faut pas prendre de solution ou décision rapide, direct. Il faut le faire. Seulement, vous ne prendriez pas forcément la même décision dans cette urgence d'instinct survie que si vous étiez posé. Alors évidemment, si maintenant vous êtes sur un gratte-ciel et presque en train de tomber, que cet instinct de survie arrive et vous sauve absolument, ou si vous êtes en train de porter votre enfant et qu'il se passe quelque chose, là, je vous dirais, allez-y. Mais dans un autre cas, la plupart des difficultés pour surmonter les difficultés de la vie peuvent être solutionnées en prenant vraiment le temps de se poser et de poser les choses avant de faire les choses. Donc ça, c'est la première grande erreur que je repère souvent. Une deuxième erreur qui est souvent commise, c'est de vouloir modifier la situation à l'extérieur. Donc, c'est vrai qu'on va évidemment solutionner à la fin pour se sentir mieux. On va imaginer qu'il y a quelque chose qui me dérange. Par exemple, telle personne me dérange, elle a dit quelque chose qui n'allait pas, je suis dérangé, j'ai mal, je me sens dans une situation difficile, ou alors ce client ne m'a pas payé et mon entreprise va fermer, va mettre la clé sous la porte. Bref, je me sens vraiment mal et ces événements extérieurs. Donc, je cherche absolument à faire changer ce client. Le client, il veut plus répondre, par exemple, le partenaire, il veut plus, il est parti. Et moi, je cherche absolument à vouloir changer cette situation. Alors, ça peut fonctionner et je vous recommanderais de le faire aussi dans un deuxième temps. Seulement, moi, je vais vous partager une stratégie qui est différente, qui vous aide à prendre le contrôle sur les choses. Au lieu de vouloir changer donc ces choses à l'extérieur tout de suite, quand elles sont difficiles, je vais vous proposer de changer les choses qui sont à l'intérieur. C'est différent parce qu'en fait, il y a des choses qui sont dans votre zone de contrôle et puis des choses qui sont hors de votre zone de contrôle. Lorsque c'est hors de votre zone de contrôle, oui, vous pourriez le changer. Une phrase, c'est bien. Le partenaire, il dit oui, c'est bon, on solutionne. Mais s'il ne veut pas et qu'après, vous en souffrez, vous continuez à garder cette douleur, cette souffrance, vous êtes dans une situation difficile et vous avez cette perception difficile et compliquée à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est les deux erreurs, je pense, qui sont déjà initialement des raisons qui vous empêchent d'être apaisé lorsque vous vivez ces situations difficiles et comment vous en sortir. Je vais vous partager sept stratégies pour vous aider à vous en sortir, mais je veux aller dans un niveau un peu plus profond parce que vous avez sûrement entendu déjà beaucoup de conseils sur le sujet et je veux vous aider d'une façon un peu plus profonde en utilisant la force de votre cerveau, de votre mental pour arriver à bout de ces situations. Voici une idée que je veux que vous puissiez retenir et comprendre. Ce n'est pas ce qui vous arrive réellement qui est important. Quand vous vivez une situation difficile, c'est surtout votre manière de le vivre et de le percevoir qui va faire cette différence. Je sais que vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, ou peut-être pas, mais je veux aller justement à un niveau un peu plus avancé pour vraiment vous aider. Parce que si vous avez déjà entendu cette phrase plusieurs fois, mais actuellement, vous êtes toujours en train de vous dire « je vis des situations difficiles, je ne sais pas comment m'en sortir, comment sortir de situations difficiles », c'est-à-dire que il y a quelque chose qui me manquait. Donc, je vais augmenter le niveau pour aller un peu plus loin et je fais le vœu que ça puisse vraiment vous aider, qu'il y ait ce déclic qui se passe et ensuite vous puissiez l'appliquer pratiquement. Quand je dis ce qui passe, ce qui vous arrive, qui est important, mais la manière dont vous percevez les choses et vous vivez les choses, ça veut dire qu'il y a trois façons de faire les choses, de voir les choses. Il y a la manière de voir les choses, ce que vous voyez physiquement hein, avec vos yeux par exemple. Il y a la manière de percevoir les choses, donc c'est la perception, c'est pas forcément ce qu'on voit, c'est votre perception, donc votre cadre de référence, votre vision de la réalité, ce que vous voyez, ce que vous imaginez quand vous voyez. Et puis il y a ce que vous vivez. Ce que vous vivez, donc c'est à l'intérieur de vous, ce que ça crée comme émotion, ce que ça crée comme effet, comme ça crée comme impact à l'intérieur de vous. On peut travailler sur les trois points, ce que je vois, ce que je ressens et ce que je vis. Moi, ce que je vous dis, c'est que le plus fort pour vous, c'est travailler sur ce que vous vivez et sur ce que vous ressentez. La plupart des gens travaillent sur ce qu'ils voient. Si vous travaillez uniquement sur ce que vous voyez, vous pourriez vous dire « Ok, j'arrête de regarder, je ferme les yeux. » Ok, je ferme les yeux. Mais est-ce que ça vous empêche de ressentir toujours de la tristesse, de la douleur, des mauvais sentiments? Est-ce que ça vous empêche de percevoir les choses comme mauvaises, comme si le monde s'arrêtait de tourner autour de vous, comme si tout était mauvais? Non, même avec les yeux fermés, vous pouvez continuer à percevoir et à ressentir. C'est pour ça que, imaginez un instant,
une personne vous a fait du mal, vous ne voulez plus jamais entendre parler d'elle. Vous ne voulez plus voir cette personne, donc elle est éliminée de votre vie, vous dites « je ne veux plus la voir, je ne veux plus l'entendre, fermer les yeux ». Est-ce que la douleur est partie forcément, votre manière de percevoir les choses, comme peut-être un insuccès de ne pas avoir réussi dans cette relation, ou de ce partenariat, ou de ce business, ou peu importe? Non. Est-ce que votre manière de vivre les choses peut être différente? Peut-être pas. Donc là, on a solutionné partiellement, mais on n'a pas été dans la profondeur des choses. En revanche, si vous modifiez votre façon de vivre les choses de l'intérieur, ou votre façon de percevoir les choses en vous disant « bah c'est une bonne nouvelle finalement, ça n'a pas pris comme il fallait », et justement, c'est un signe positif parce que grâce à ça, je vais trouver autre chose, ou je vais faire autre chose, je vais découvrir autre chose. Ça change toute la donne. Ça change vraiment, vraiment toute la donne. Donc maintenant, pour vous aider encore un peu plus, avant de rentrer dans les 7 stratégies, il faudra réécouter cette vidéo plusieurs fois parce que vraiment, je pense qu'elle peut vous aider. Elle peut changer beaucoup de choses dans votre façon de voir les choses. Alors, pour vraiment ici utiliser ce que je suis en train de vous partager, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce concept qui est souvent développé dans la croissance personnelle. C'est vous pensez d'abord, vous pensez, ensuite vous ressentez, je pense à quelque chose de bien ou moins bon, je ressens les choses. Et comme je ressens certaines choses, je vais agir d'une certaine façon. Et donc, quand je vais agir d'une certaine façon, je vais obtenir certains résultats. Et les résultats donc seront une conséquence de mes pensées. J'ai pensé à quelque chose, je ressens, ensuite je vais agir en faisant ça ou en faisant ça. Et puis après, je vais observer ces résultats. Et s'ils me déplaisent, je ne suis pas content. Donc on vous dit évidemment de penser, travailler vos pensées. Tout ça est bon, tout ça est correct. Et vous l'avez probablement peut-être déjà entendu. Moi, pour vous aider vraiment concrètement, je vais aller à un niveau plus loin. Il me manque un étage. Il me manque un étage à ce concept. C'est l'étage, l'étape qui vient juste avant votre mode de pensée. Et là, vous allez comprendre ce que je veux ici vous expliquer. Ce n'est pas vos pensées d'abord, c'est votre état d'esprit. Votre état d'esprit va conditionner tout le reste. Avant vos pensées, votre état d'esprit, c'est comment vous êtes dans votre tête, dans quelle humeur, dans quel état vous êtes. Et quand vous êtes dans un certain état d'esprit, vous allez ensuite penser. Ça va entraîner certaines pensées parce que l'état de pensée, l'état d'esprit vient avant vos pensées. Imaginez une super bonne nouvelle, excellent. Vous avez gagné au loto, vous venez d'être parent, encore une fois, vos enfants viennent de réussir, peu importe. Vous venez de réussir votre business, vous êtes heureux, fier, content. Vous vous levez le matin, vous apprenez l'excellente nouvelle. Dans quel état d'esprit vous êtes? L'état d'esprit, il est positif, il est enthousiaste. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans une situation difficile, peut-être une autre. Et là, vous allez avoir une réflexion. Une réflexion qui sera alignée, orientée avec cet état d'esprit. Bien sûr, évidemment, vous pourriez, les mauvaises pensées peuvent vous limiter tout de suite, mais comme vous serez entraîné, l'état d'esprit sera une dynamique pour vous, une très dynamique, dynamique. Vous êtes dans la dynamique et ensuite, vous avez ces pensées-là qui vont créer cet état et ensuite, vous allez finalement poser des actions qui donneront un résultat qui reflétera votre état. Imaginez, vous apprenez une très très mauvaise nouvelle et vous êtes dans un état d'esprit pitoyable, vraiment un état d'esprit triste. Et ensuite là, vous vous rendez compte, vous êtes dans une situation plus difficile et plus compliquée, vous revenez sur la même difficulté qu'avant, nouvelle pensée qui arrive, ressenti, action, décision, action, résultat. Vous voyez qu'en réalité, si vous parvenez, vous comprenez comment maîtriser votre état d'esprit, vous pouvez changer toute la donne. Alors vous allez me dire, oui, mais mon état d'esprit, je peux pas contrôler. Un jour, c'est bon, un jour, c'est pas bon. Mais justement, si. Vous êtes capable de contrôler votre état d'esprit. Vous ne savez pas encore comment, on va partager quelques conseils après. Si vous vous entraînez matin, midi et soir à traiter, à travailler, à entraîner, à maîtriser votre état d'esprit, vous avez gagné. Vous avez gagné parce que vous n'allez pas travailler sur l'extérieur. Les choses que vous voyez, vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. Même quand vous voyez, c'est moche, mais vous pouvez être avec le sourire. Vous pouvez voir quelqu'un qui vous a fait du mal et au lieu de dire « je ferme juste les yeux », vous regardez. Et là, comment vous le vivez ou comment vous ressentez est totalement différent. Parce qu'en réalité, votre état d'esprit a été tellement fort que vos pensées qui sont arrivées en disant « finalement, même mes ennemis, je les bénis ». Voilà. Et ensuite, il y aura donc des décisions, des actions, des résultats et vous serez en paix, c'est le plus important.
C'est ça qui est important pour vous. Dans le cerveau, on a des neurotransmetteurs, donc c'est un peu, pour faire très simple, ils transmettent le message du cerveau au corps. Et on a plusieurs neurotransmetteurs, on peut avoir la dopamine qui crée la motivation. Il y a énormément de choses à discuter, à partager là-dessus. J'ai fait d'autres vidéos d'ailleurs où on en parle. Mais ici, ce que je veux juste vous dire, c'est que vous pouvez comme ça provoquer des doses, des shoots. Vous pouvez comme ça créer la tristesse si vous le souhaitez. Vous pouvez créer la peur. Vous pouvez créer l'anxiété. Vous pouvez parfaitement imaginer augmenter même votre énergie, votre courage. Ce sont des éléments qui sont là, comme ça, peuvent provoquer en vous des états totalement différents. Quand vous ne savez pas évidemment comment ça fonctionne, on peut être un peu perdu. Voici ce que je vais vous recommander de faire. On va faire un exercice ensemble avec 7 points que je vais vous demander de faire pour vraiment vous aider à utiliser ce que je viens de vous partager. C'est un enseignement qui pourrait durer des heures et des heures, mais ici, je veux vraiment m'efforcer de vous donner l'essence et que vous puissiez, l'essentiel, que vous puissiez réécouter cette vidéo plusieurs fois. La première des choses que je vous invite à faire, c'est de vous poser. De vous poser, et c'est pour ça qu'on est, je me suis posé aussi, comme ça, je suis en train de marcher avec vous. Premièrement, de vous poser et de respirer. 3 à 6 fois. Dans l'inspiration, le ventre sort, pas le contraire, et dans l'expiration, il rentre. Et vous tournez comme ça la nuque. Et là, voilà, on va reposer, on recentre tout, on calme un petit peu à l'intérieur. C'est un état dans lequel on commence à se mettre. Ensuite, deuxième point, c'est de comprendre les règles du jeu, de prendre conscience simplement des règles du jeu dans le cerveau, des règles du jeu, de ce que je viens de vous expliquer. Même si vous ne comprenez pas tout ou vous ne savez pas comment tout appliquer, c'est rien. Juste avoir une prise de conscience qu'il y a quelque chose que je crois comprendre, que je vois, que j'imagine, quelque chose, une nouvelle porte qui s'est ouverte. Et les règles du jeu font en sorte qu'il y a je peux travailler sur l'extérieur, sur ce que, ou l'intérieur, ce que je vois, ce que je ressens, ce que je vis. Et je lutte simplement le fait, c'est comme si vous allumiez la lumière dans le noir, vous aviez peur avant et vous allumez la lumière et vous voyez en fait qu'il n'y a pas à avoir peur. Rien que le fait d'allumer la lumière, donc de mettre quelque chose dessus, même si vous ne voyez pas tout, vous permet de déjà équilibrer, recentrer le tout, votre subconscient n'est plus en panique, il ne se dit pas qu'il y a des lions qui risquent de nous bouffer. Mais là, on revient un peu plus comme ça, dans le côté un peu plus posé, plus réfléchi. On va comme ça envoyer des messages pour trouver des solutions dans le subconscient. Ensuite, troisième point, c'est identifier dans quel état d'esprit vous êtes. Identifier, donc vous faites une pause, vous vous posez, vous regardez, vous mettez la caméra hors de vous et vous vous observez, vous regardez dans quel état d'esprit je suis. Sur une échelle de 1 à 10, je suis comment ? Dans la joie, je suis dans la tristesse, 10, 8, 9. Non, je suis plutôt triste, je suis peur, je suis dans l'anxiété, dans la panique, dans l'angoisse, c'est quoi ? Dans la colère, c'est quoi ? Et vous observez ça. Ensuite, quand vous observez, vous identifiez, vous êtes spectateur de ce qui se passe, ça vous aide déjà, vous allez voir, ça va vous aider. Ensuite, le quatrième point, c'est de vous demander pour quelle raison vous êtes dans cet état. Pour quelle raison êtes-vous dans cet état ? Vous allez lister, c'est parce qu'il y a ça ou ça, ou peut-être que vous n'avez pas trouvé, ou peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de raison. Ce sont des souvenirs qui sont enregistrés dans votre mémoire interne, qui sont remontés. Une situation vous a rappelé une autre et en fait, vous allez réaliser déjà ça. Cinquième point, c'est commencer à démystifier. Une fois que vous avez l'état, vous comprenez, vous voyez, vous commencez à démystifier en vous disant, il n'y a pas vraiment de raison, est-ce qu'il y a vraiment des lions qui risquent de me bouffer, est-ce qu'il y a vraiment une raison de ça? Et vous commencez à aller loin, comme ça, vous allez voir, vous allez commencer à démystifier les vraies raisons qui vous ont mis dans cet état, s'il n'était pas négatif. Ensuite, le sixième point, c'est de vous dire, dans quel état d'esprit je souhaiterais être, je voudrais être, idéalement, dans quel état d'esprit demandez-vous? Et là, vous vous dites, dans quel état d'esprit je voudrais être, être un état d'esprit fantastique. Et le septième point, c'est changer d'état d'esprit. S'il ne vous plaît pas, vous connaissez l'état d'esprit, vous le changez. Quelques astuces pour vous aider à changer d'état d'esprit rapidement. Premièrement, déjà, votre manière de vous tenir, votre posture. Lorsque vous êtes triste, vous êtes souvent comme ça. Hein, quand vous êtes plutôt joyeux, on est comme ça. C'est difficile d'être en même temps triste. Imaginez, forcez-vous à sourire et de lever la tête, lever les épaules droit. C'est difficile d'être triste en même temps. C'est pas faire les deux en même temps. Et ensuite, si vous êtes triste. Donc, changez votre posture, mettez-vous bien droit, respirez très positivement. Donc, vous vous mettez. Après cette posture, vous pensez à votre respiration, vous respirez bien, le ventre qui sort à l'inspiration et qui rentre à l'expiration, vous mettez dans cet état. Ensuite, utilisez de la musique, utilisez, allez chercher des ressources musicales qui vont vous aider à vous créer un état où vous êtes peut-être enthousiaste, motivé, motivant, où rien ne peut plus vous arrêter. Allez chercher ces musiques et mettez-les, ça vous aidera directement. Et puis ensuite, en même temps que vous faites ça avec cette musique, pensez à un vrai objectif de cœur que vous avez en ce moment, qui est très important pour vous, qui peut changer votre vie, qui vous touche. Pensez à ça et ensuite imaginez-vous
l'avoir réalisé. Faites-le comme si vous étiez dans le présent. Je l'ai réalisé, imaginez ce que vous ressentez, les émotions, les gens autour de vous, la musique, la mélodie, le regard des autres, les personnes, vous-même, comment est-ce que vous vous regardez, vous voyez. Très puissant, ça va vraiment changer votre vie en faisant simplement ces simples exercices. Pour résumer cette vidéo, on a vu ensemble comment sortir des situations difficiles, surmonter les difficultés de la vie en utilisant la force et le pouvoir de votre cerveau. On a vu qu'il y avait les possibilités de travailler sur les choses qu'on ne contrôle pas ou les choses que l'on contrôle. On peut aller dans l'extérieur, travailler à l'extérieur ou travailler à l'intérieur de soi. Si vous travaillez à l'extérieur, oui, vous pouvez passer cette difficulté, mais les autres difficultés viendront et vous serez dans le même état. Par contre, si vous travaillez de l'intérieur et que vous maîtrisez ce jeu, lorsque une autre difficulté viendra, vous serez toujours dans le même état de paix. Parce que sachez qu'une difficulté en chasse une autre, vous la corrigez, il y en a une autre. Et c'est au plus vous allez résoudre des difficultés, qu'au plus vous allez grandir, vous allez progresser, vous allez prospérer dans votre vie. Donc, on a compris ce principe où on se dit, eh bien, au lieu de simplement vouloir corriger ce que je vois, je vais corriger ce que je vis et ce que je ressens à l'intérieur. Donc, c'est un jeu qui est fort, un jeu qui est puissant. On a vu que la plupart des gens pensent uniquement, on a les pensées, ensuite on a le ressenti, on a les décisions, les actions et les résultats. Là, moi, j'ai été un état plus loin, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit va tout diriger pour vous, va vous aider à tout transformer. Donc, l'état dans lequel vous êtes, une personne peut être dans un état d'esprit très positif, même s'il vient d'apprendre la disparition de quelqu'un de proche. Parce que, au lieu de se laisser souffrir, d'avoir mal, il se met dans un état d'esprit qui va l'aider. Et quand il va s'aider, il aidera tous les autres autour de lui parce que c'est lui qui aura la force de le faire. Et donc, quand vous arrivez à entraîner ça dans votre vie, vous devenez vraiment quelqu'un qui peut avancer sereinement, en paix. Quelles que soient les situations de l'extérieur, vous êtes à l'intérieur déjà protégé, déjà fort. Et on a besoin, vous avez besoin d'être fort. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que le concept que je viens de vous partager fait partie d'un parcours beaucoup plus complet qui s'appelle le parcours de transformation. ALEC, ALEC est un acronyme en 4 lettres, A-L-E-C. C'est en fait les 4 phases par lesquelles tout entrepreneur et passionné de liberté passe dans sa vie pour pouvoir dépasser la barre des premiers 100 000 euros et la barre des premiers millions d'euros et surtout être heureux, libre, émotionnellement, socialement, financièrement, temporellement, géographiquement. C'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin tout au long de votre vie. Et si vous regardez le parcours de transformation ALEC, il y a 4 phases. C'est la phase de l'alignement, ensuite la phase de lancement, la phase d'expansion et finalement la phase de consolidation. Ce qu'on a vu ensemble fait partie de la phase numéro 1 de l'alignement avec cette psychologie gagnante que l'on travaille, cette maîtrise des émotions dont on a tellement besoin avant d'avancer. Parce que si on vous sert aujourd'hui par exemple, on vous délivre, on vous verse 1 million, 10 millions d'euros sur un compte ou on vous donne les clés d'une entreprise très prospère avec des collaborateurs à gérer, à diriger, vous avez besoin d'être prêt à l'intérieur pour pouvoir avancer et toujours sortir de situations que vous percevez comme difficiles. Et dans n'importe quelle situation, une situation avec un client qui ne se passe pas bien ou autre, vous êtes paré parce que de l'intérieur, vous savez comment modifier la perception et de vivre différemment toutes les situations que vous auriez pu percevoir comme difficiles. Ce document, j'ai mis plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour le construire et le créer. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez télécharger un exemplaire en cliquant ici sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou dans la description, tout est indiqué. Et puis, j'animerai une présentation, un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment je l'utilise, comment j'aide aussi les personnes qui me font confiance à pouvoir le construire à leur tour. Vous pouvez simplement cliquer là, vous aurez quelques questions à répondre et puis vous pourrez le recevoir dans votre boîte email. Voilà, si vous avez apprécié ce partage, je vous invite à me le montrer et me le démontrer en appuyant sur le bouton « j'aime » comme ça. Ça ne dure que 3 secondes et ça fait du bien. Vous l'appuyez dessus juste ici, « j'aime ». Et ensuite, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne encore, pensez à le faire maintenant. Comme ça, vous allez recevoir mes prochaines notifications de partage. Donc, j'ai d'autres vidéos que j'ai tournées ce matin et que je vais probablement partager dans les prochains jours. Donc, je vous invite à vous abonner. Et puis, laissez-moi un commentaire en bas de cette vidéo. Dites-moi en quoi cette vidéo vous a été utile, en quoi vous pourrez l'utiliser dans votre vie, dans votre business, dans votre quotidien. Partagez-la autour de vous. Faites-en profiter à toutes les personnes qui, selon vous, méritent d'être plus heureuses et plus libres financièrement, émotionnellement, socialement, géographiquement, temporellement, bref, qu'elles puissent reprendre le contrôle de leur vie. Et toutes les situations qui pourraient leur sembler difficiles deviennent finalement des situations qui passent, dans lesquelles on est en paix, dans lesquelles on apprend et on grandit. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous envoie toute mon amitié. Merci encore une fois de plus infiniment pour votre attention, pour votre écoute, pour votre amitié. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès. Je vous dis à très bientôt. C'est Zico Kiax. Merci.